Bonjour les enfants, bienvenue sur ce petit tuto pour les trois prochains petits exercices à faire à la maison. Ce sont des petits exercices qui vont vous apprendre le replacement des doigts. La dernière fois, on avait placé les doigts, c'est-à-dire les doigts à côté, par exemple comme ça. Le 3, le 2, puis le 1. D'accord? Là, on va apprendre à replacer. Alors, je vais vous montrer chaque exercice, comment les faire. L'exercice numéro 1. À la main droite, on place Do, Ré, Mi. C'est un petit peu les mêmes exercices que les précédents, mais une fois l'endroit, une fois l'envers. Ça fait Do, Ré, Mi. On place Fa, Mi, Ré. On place Mi, Fa, Sol. Voyez, hein, le pouce toujours en l'air. C'est le chef des autres doigts. Ensuite, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et le dernier. Vous avez vu le 4 et le 5 qui sont bien rangés aussi. Ça, c'était l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2. On va replacer les doigts. On va placer le Do et le Mi. D'accord? Le pouce toujours en l'air. 3, 4, 5 rangés au fond de la main. On joue le Do. Avant de jouer le Mi, on va replacer le Ré. On joue le Mi et on pourra jouer le Ré. C'est-à-dire qu'on a replacé le doigt, deuxième doigt, avant de jouer le pouce. La suite. On replace avant de jouer. Le pouce toujours en haut. Hop, on replace. On n'a pas le droit de jouer le pouce, hein, tant qu'on n'a pas replacé le deuxième doigt. Et le dernier. Troisième exercice, c'est la même chose, mais en replaçant trois doigts. Donc le Do. Et avant de jouer le pouce, on va placer le 2 et le 3 en même temps. Vous voyez? Hop! Le 4 et le 5 sont bien rangés. Et le dernier. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous y arrivez. Et j'espère à très bientôt. Au revoir.